géorgien, c'est le chant polyphonique par excellence, le plus beau qui traditionnel qui existe au monde. De tout ce que j'ai écouté, parce que j'ai écouté des chants corses magnifiques, chants italiens magnifiques, des chants de partout du monde, mais les chants géorgiens, c'est ceux qui, comme tout le monde a bien dit ici, ça te donne une force, ça vient du cœur, ça vient des gestes des hommes, ça vient de la souffrance, ça vient des joies profondes, c'est pas des gestes. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'adore ces chants vraiment, et plus que tous les autres. Et c'est beaucoup aussi au niveau de l'énergie et du son. C'est l'harmonie, le son, je ne sais pas, moi c'est le son qui me touche dans ces chants. J'aime beaucoup ce chant où on a besoin des autres, les autres comptent sur soi. Enfin, on est forcément liés, c'est un exemple de relation humaine, en plus très, très fort, je trouve. Première immigration, c'était en 1921, quand les Soviétiques la Russie ont occupé la Géorgie. Et le gouvernement et le groupe Géorgie quittaient le pays et sont venus ici en France. J'ai acheté un petit terrain à Léville-sur-Roche, à 91e département de l'Île-de-France. Et le cimetière géorgien, là. Et pour nous, c'est comme un petit village géorgien. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées dans cette cimetière. C'est très important pour l'histoire géorgienne, pour l'âme patriotique géorgienne. En 1943, on a commencé à avoir d'abord une petite salle dans une villa, puis une petite église dans le 16e, et ensuite celle-ci. Et que toute grâce à la bonne volonté d'un certain nombre de personnes, ils nous ont aidés à reconstituer, d'après leur mémoire, leur tradition. Comment ça se passait le dimanche à la maison? On allait à l'église Saint-Nino. C'était pas le père Archil qui dirigeait à l'époque. Et nous, on était tout petits. Et on s'est mis à chanter dans le chœur. Donc on a appris à chanter. Au début, on a appris des chants, c'était des chants qui étaient très classiques. Faut s'imaginer que quand cette émigration est venue, au départ, ils ne sont pas partis avec des partitions, des journées. Ils sont partis éventuellement avec des documents politiques, déjà. Ce qu'ils avaient pu emmener, puis trois fois rien, mais tout ça, ils l'avaient dans la tête. Donc ils nous ont appris uniquement par tradition orale. Puis un jour, on a reçu des disques géorgiens, des disques, les vieux graphites, là. C'était marqué CCCP, SSR. Là, non. Et on s'est mis à étudier ça avec ma sœur, on écoutait, on avait un instrument, et puis on s'est mis à gratter, à tout ça, et puis on a recomposé des chansons. Quand mon père a vu que j'avais des prédispositions, que je voulais aller un peu plus loin, eh bien, il m'a mis en contact avec ses amis géorgiens qui connaissaient mieux, beaucoup plus de chants, qui avaient des plus jolies voix, qui savaient jouer des instruments. Et puis, par la suite, je me suis dit, pourquoi je n'apprendrais pas aux jeunes de l'immigration à chanter? Personne ne chantait, il n'y avait que les vieux qui chantaient à table et tout. Moi, je me suis dit, ce que c'est, je vais commencer à leur apprendre. On va parler de ce groupe-là que j'avais créé, qui s'appelait Merani. Merani, c'est Pégase. C'était quelque chose de symbolique aussi. Ce groupe-là, je l'ai créé en 1967, à peu près. Les trucs de folklore pur, eh bien, ça a commencé avec moi, en fait. Sinon, on chantait des chants qui étaient un peu trop classiques, un peu trop édulcorés.
Et moi, j'ai introduit autre chose, un truc khalkhouri, c'est-à-dire quelque chose de plus populaire, musique populaire, mais pas d'une seule région, parce qu'on chantait à l'époque, on chantait uniquement des romances de Tbilissi, tout ça. Moi, je suis allé en Mengré, dans les provinces, en Mengréli, je voyageais dans ma tête. Et puis est arrivé des États-Unis quelqu'un dont vous avez entendu parler, Frank Ken. Voilà. Ce Frank Ken, donc, on s'est rapproché de notre cœur en me disant « Est-ce que je pourrais chanter avec vous ? J'aime beaucoup le chant georgien. » Je suis venu en France en 88 parce que à l'époque c'était l'unique endroit où je pouvais étudier la langue géorgienne. Je n'avais pas la possibilité d'aller en Géorgie pour étudier. Et je savais qu'il y avait une colonie de Géorgiens en France. Donc je me suis dit, avec cela, il y a la possibilité de pratiquer, de parler la langue. Et peut-être que je vais rencontrer des chanteurs aussi pour continuer cette passion. On a organisé un petit ensemble vocal avec moi-même, un autre Américain, un Tchèque et quelques Géorgiens nés en France, dont les parents sont venus de Géorgie et qui pratiquaient aussi le chant. Dans un premier temps, quand on avait des concerts, on se produisait comme Mélanie. En fait, il y a eu une transition, mais disons à partir de 93, les gens qui chantaient dans le groupe qui existait à l'époque étaient 90% non-géorgiens. Et donc c'était autre chose, et on a pris le nom Marani, qui veut dire le chai ou la cave à vin en géorgien. Marani, en fait, c'est une association qui est divisée en deux chœurs. Il y a un chœur d'hommes, Marani, et il y a un chœur de femmes qui s'appelle Madrikali. Donc cette association, elle a pour but la promotion du chant géorgien, et l'idée, c'était d'inviter des chefs de chœur à Paris, et parfois des chefs de chœur de village, c'est-à-dire pas non plus des professionnels du chant, mais des gens qui avaient transmis ce patrimoine dans leur village et dans leur famille. Et ces chanteurs nous enseignaient avec la tradition orale, c'est-à-dire à la manière traditionnelle en Géorgie. Tous les chanteurs qu'on a invités, chacun, ils viennent d'une région différente, parce qu'on a souvent invité pour que les types de chants soient variés, on n'a pas invité des chanteurs des mêmes régions. On gagnait un peu d'argent avec des concerts, donc on les faisait venir, on les hébergeait et on faisait des stages avec eux. On a fait venir comme ça beaucoup de gens, à peu près un ou deux par an. Il y avait l'aspect aussi un peu de vivre un peu des traditions, enfin de pas seulement chanter comme là, en répétition, mais de faire des concerts, mais aussi de faire des repas ensemble à la façon géorgienne, tu vois. Et on est allé en Géorgie aussi, assez vite. Franck a organisé des voyages en Géorgie, on est allés tous ensemble. On est allé dans les régions, on a rencontré les chanteurs, on était hébergés sur place. De chanter des chants géorgiens polyphoniques et uniquement ça. C'était un peu bizarre la promotion de cette culture géorgienne par des gens qui n'étaient pas géorgiens, hein, mais qui en avaient en tout cas un grand respect, un grand amour, un grand attirance pour ces chants. Quoi. L'activité de l'association au sens large, c'est-à-dire l'organisation des voyages d'études en Géorgie, la venue des chanteurs géorgiens en France, il y a eu un soutien et une appréciation importante de la part des Géorgiens de Paris. Je dirais qu'ils étaient très, très contents, très fiers de voir que leur culture était mise en valeur. La bonne réputation de Marani auprès des Géorgiens qu'on a fait venir, etc., tiens, en fait, sans doute qu'on visait à ne pas du tout dénaturer ces chants, à les apprendre le plus authentiquement possible, et ne chanter que ça, quoi. On ne le mélangeait pas à d'autres choses, on n'en faisait pas
une cuisine personnelle, hein, c'était même assez étonnant pour les Georgiens, étaient très étonnés. Quand je suis arrivé, j'ai écouté en fait ce concert, c'est, il y a mes soeurs en fait, qui m'ont découvert en fait Marani, et je suis arrivé, j'étais vraiment comme ça avec les yeux, j'écoutais, j'arrive pas à croire que c'était vraiment les Français qui chantaient vraiment comme ça. Et la qualité de tout ça, en fait, le cœur qui était en fait là, dans le cœur, c'était énorme pour moi. Donc. C'était 91, quand j'étais de Putsch à Géorgie, le premier président qui est renversé par les forces. Et le gouvernement, ce président qui est venu ici aussi. Pas forcément en France, mais partout en Europe. Et après, le quatrième migration, c'est plutôt fin 90 et 2000. C'était plutôt, la plupart de ces 2000 patients, c'était plutôt éco-migrants, qui n'avaient rien à faire à la Géorgie, qui quittaient la Géorgie pour trouver des meilleures vies en France. Depuis l'an 2000-2002, avec la venue des étudiants géorgiens à Paris, des jeunes qui travaillent, il y a eu une envie de perpétuer ces pratiques ici. Donc il y a des cours de chant, il y a des cours de danse, il y a des cours de langue avec l'association L'Asie notamment. On a beaucoup d'enfants, 60 à peu près, avec tous les parents, contents aussi d'avoir une école géorgienne en Paris qui n'existait pas vraiment jusqu'à là en France, malgré toutes ces immigrations qui existaient depuis toutes ces années. On est bien apprécié, bien sûr, de la Géorgie des diasporas, du ministère diaspora géorgien, de l'ambassade qui nous soutient, soutient comme ils peuvent, et les autres associations géorgiennes aussi. Et on a l'école avec tous les métiers, ma matière principale comme la langue géorgienne, l'histoire géorgienne, géographie géorgienne, la musique, c'est très important pour nous, pour les géorgiens. Alors on enseigne aussi dans l'école même, et après il y a des cours supplémentaires comme guitare et chant géorgien ou polyphonie géorgienne. Mais comme la musique, la polyphonie est très importante pour nous, pour les géorgiens, on enseigne aussi dans l'école, c'est obligatoire, c'est compris avec toutes les matières. Thank you.
m'intéresse le plus à moi et les ensembles qui travaillent en France, c'est comme j'ai dit le chant villageois qui le plus souvent est à trois voix, hein, donc il y a voix supérieure, voix de milieu et basse. Dans le contexte, dans la formation la plus traditionnelle, il y a juste une personne, une seule personne qui chante la voix supérieure, une personne qui chante la voix du milieu, et tous les autres qui chantent la basse, quoi que soit le nombre de personnes. Pourquoi ? Pour donner à ces deux personnes qui chantent les solos la possibilité d'improviser. Parce que le chant géorgien n'est pas, c'est pas un chant savant, c'est pas un chant écrit, c'est un chant oral, et donc traditionnellement, les solistes créent le chant en temps réel par leur choix d'harmonie. Chaque voix a une bande d'un maximum de 5 notes. Et donc, à l'intérieur de cette bande, une voix peut improviser, la voix du milieu, par exemple, peut faire des choix différents, mais sans quitter la bande. Donc, Lori mei awo soli awo, par exemple. Et donc, la voix du milieu, dans ce cas-là, va mener toute sa vie pendant la durée du chant dans cette bande. Idem pour la basse, idem pour la première voix. Et donc, les chanteurs s'orientent par leur connaissance intuitive, je dirais. Comme dans beaucoup de sociétés traditionnelles, les femmes et les hommes chantent pas ensemble. Bon. À l'église, c'est séparé, donc il y a des chants liturgiques chantés plutôt par les femmes ou plutôt par les hommes. Traditionnellement, les hommes, ils faisaient les chants de travail pour cultiver dans les champs, pour se donner du courage, pour récolter la vigne. Et puis les femmes, elles chantaient les berceuses, les chants pour guérir les maladies à boutons des enfants, les chants de danse, les chants de fête. Ella come ti è là nani nani hoi 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 nani hoi nani cria muli cri nani nani hoi 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 nani hoi nani gao bace gotanum nani nani hoi 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 nani hoi nani polis corbe On a un chant qui s'appelle Lilé, un chant en soleil, qui est très très ancien. Même les Sumers dans la Mésopotamie, ils ont parlé que des Arcadiens, il y a eu des inscriptions, enfin, c'est très très ancien. Chanter traditionnellement pour demander l'intervention de Dieu, hein, donc pour corriger le temps si nécessaire dans l'intérêt de la récolte. Ce sont des chants d'origine pré-chrétienne, donc païenne, et en Géorgie comme ailleurs, l'Église officielle n'a pas toujours apprécié ce genre de pratique. Donc dans la variante que je connais, quand on demande l'intervention de Dieu, on s'adresse à Sainte Barbara. Alors qu'avant, on aurait pu dire à la Terre Mère, par exemple. À partir du 4e siècle après Jésus-Christ, il y a eu l'influence de ces chants païens sur la musique liturgique, et la musique liturgique s'est construite sur la logique des chants populaires. Ciao, ciao,
sens, ce sont les paroles. Donc, pas, la mélodie doit être au service des paroles et pas le contraire. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'instrument, c'est la voix humaine. Parce que dans les instruments, il n'y a pas que des sons, il n'y a pas de logos, le verbe, la parole. C'est ce qui est important chez les orthodoxes, de comprendre le sens que le chant ne couvre pas les paroles, mais au contraire met en valeur les paroles. L'harmonie géorgienne a été créée en 2006 en France. Nous l'avons nommée Harmonie géorgienne parce que la polyphonie géorgienne c'est une véritable harmonie. Étant donné que à la fois chaque voix a sa ligne mélodique, mais que tout ensemble elle forme une seule harmonie. Notre ensemble essaie de faire connaître à l'étranger la beauté de la polyphonie géorgienne et faire partager la richesse musicale de notre patrie. Géorgien, c'est vraiment unique et dans toute la Géorgie on chante à peu près les mêmes chants à l'église, surtout pour la liturgie. On a après on peut avoir effectivement plusieurs versions d'un chant, mais les chants sacrés c'est surtout c'est unique dans toute la Géorgie, dans toutes les régions. On n'avait pas cette facilité d'avoir ses parents quand on voulait, d'avoir les copains géorgiens en Géorgie quand on voulait, parce que Internet a tout changé, les téléphones portables ça a tout changé. À l'époque, quand on est arrivé, on avait besoin quand même des racines d'où on venait, et c'est comme ça que je me suis retrouvée donc à l'église, et j'ai trouvé Nana. D'abord Nana et avec Père Georges, et c'est là où on a commencé à vraiment chanter les chants religieux à l'église, mais en même temps j'ai trouvé Marani. À l'époque il y avait un groupe de filles qui s'appelait Irinola à l'époque, et donc je chantais à Irinola, c'était pour justement pour avoir ses racines en France, même si on est bien, on s'adapte facilement. En tant qu'étudiant, on n'a pas les mêmes vies qu'après. Donc, c'était important d'avoir cette culture et de, justement ce partage. C'est très important pour les Géorgiens. Tous les Géorgiens sont baignés dans la polyphonie. L'harmonie à trois voix, à quatre voix, c'est naturel. On l'entend depuis le berceau. Et puis, on entend quotidiennement dans toutes les situations de la vie de tous les jours. Et moi, c'est vrai, je dois reconnaître que c'est en étant, en partant de la Géorgie, en arrivant en France, c'est là, en France, que j'ai apprécié la beauté, la force, que ça m'inspirait, que ça me donnait en fait comme... c'est vrai que j'ai eu de la chance donc de pouvoir justement retrouver cette force et de pouvoir transmettre ça, de retrouver entre justement de trouver l'unité avec le groupe qu'on a donc créé, l'harmonie géorgienne, et de partager cette beauté et cette force, et également de diffuser en fait, parce que l'harmonie géorgienne c'est aussi pour justement l'occasion de pouvoir partager cette beauté, cette particularité qui est donc la polyphonie, le chant polyphonique, aux autres à travers des frontières. Donc c'est vrai que ça c'était c'est unique. Sois par ce qui en vaut, j'adore.
chant et traditionnel et religieux, parce que quand on fait des concerts, chaque fois ils nous applaudissent vraiment du fond du cœur, parce qu'ils nous disent, même on voit en fait quand on chante sur scène parfois, que les gens ils ferment les yeux comme s'ils s'évadent. Même pour moi, c'est une sorte une façon d'évasion dans un monde à part de notre vie quotidienne. En fait, c'est assez chargé notre vie, surtout de notre époque, et voilà, je m'évade hein. En chantant, je m'évade. Et c'était comme ça avant et surtout maintenant, donc quand on devient adulte, c'est vraiment, on n'a pas beaucoup de possibilités de faire autre chose qu'on aime, et les chants, c'est vraiment une façon d'évasion que j'aime vraiment beaucoup. Le fait de chanter ensemble, c'est retrouver humainement, dans l'humanité, l'unité. L'expression polyphonique, c'est ça aussi, c'est ce qui est le plus proche de ce sentiment d'unité, ce qui nous manque parfois dans le monde, mais c'est aussi chanter ensemble, c'est aussi trouver ensemble la note juste, donc de nous rapprocher à l'harmonie. C'est le fait de s'écouter en fait. Parce que justement, si on ne s'écoute pas, chaque personne dans le trio ou dans le quatuor ou dans le groupe entier, ils peuvent chanter séparément mais magnifiquement bien. Mais s'ils ne s'écoutent pas, s'il n'y a pas l'unité, et s'ils ne se mettent pas, s'ils ne s'écoutent pas, donc s'ils ne mettent pas en valeur les uns et les autres, ils peuvent, ça va rien donner. Le plus important, c'est justement respecter l'autre, être, c'est-à-dire, comme Gwanza a dit, à juste titre, c'est de mettre en valeur la voix de l'autre s'il le faut. Et d'avoir cette... Des fois, vous allez voir que des fois, on a besoin de se tenir parce que c'est la sensibilité de l'autre et le respect de l'autre, en fait. Tout ça, ça crée une harmonie. Tout ça, après, il y a évidemment, il faut travailler ensemble plus souvent. En ce moment, nous préparons un disque, ce sera le troisième disque, troisième édition pour enregistrer les chants folkloriques. Nous répétons, c'est un projet qui est en cours, nous espérons que ça va aboutir, ça va bientôt sortir et ça va plaire au public surtout. Kalo nari no jiano, chitis ka bagatsuya. La transmission en milieu villageois, qui devient plus rare aujourd'hui, mais qui existe encore, c'est une transmission orale et je dirais par osmose. Donc il n'y a pas vraiment de cours de chant ou des répétitions comme on pourrait imaginer en Europe occidentale, mais plutôt beaucoup d'occasions de chanter d'abord en famille, donc les enfants avec les parents, après dans des groupes informels, à chanter à table. Et donc les gens apprennent des chants comme ça par proximité, en étant avec les gens qui connaissent déjà les chants. On fait des grands banquets, on choisit un chef de table, et ce chef de table porte des toasts avec un code sur les thèmes des toasts, et à chaque toast correspond un chant. Disons, il faut chanter un chant qui a rapport avec le thème du toast. Il y
y a trois langues en Géorgie. L'Asmaneti a son propre langage, son dialecte, qui est quasiment incompréhensible par des gens qui parlent géorgien, moi je n'arrive pas à comprendre. De Samegrelo, qui a donc sa propre langue. Et donc il y a le géorgien. Mais tout le monde, les peuples de toutes les régions de Géorgie parlent la langue géorgienne, qui est la langue officielle de la Géorgie. Il y a des différences régionales, des styles régionaux que les Géorgiens reconnaissent facilement. C'est-à-dire un chant qui vient de l'est du pays, les provinces de Kakheti, de Kartli. Un Géorgien va reconnaître rapidement, parce que souvent ils ont des mélismes, des ornements. Et puis avec une basse qui accompagne, qui fait un bourdon, qui bouge pas beaucoup. C'est-à-dire, il y a moins de parallélisme, les voix ont le mouvement indépendant, donc ça donne un chant qui semble complexe pour l'étranger, et même pour les Géorgiens des autres régions. Donc souvent un Kharkatien ou quelqu'un de Tbilissi, il entend les chants du Gouri qui ont des mouvements très complexes, des yodels par exemple. Ça ne lui plaît pas forcément à un Kharkatien, le chant gourien, mais il le reconnaît tout de suite par la complexité et la présence des yodels. De Svaneti dans la haute montagne orientale. Là, c'est une musique que j'appelle verticale, c'est-à-dire en général, ça bouge moins vite, les gens restent longtemps sur des accords, et donc c'est la juxtaposition des accords qui donne le parfum du chant, et aussi le timbre, les choix de microtonalité. Thank you.
quasiment la même langue, mais maintenant, malheureusement, c'est une région où on peut parler la Turquie. Mais l'Azétie, c'est une région, enfin, là où la culture géorgienne, et notamment la Géorgie de l'Ouest, c'est une c'est le mélange des cultures mondiales, c'est toutes les cultures, c'est pas séparé. Il y a des centres culturels, il y a des communautés, il y a des restaurants par exemple indiens ou sri-lankais ou pakistanais ou africains ou mexique ou espagnol, ils sont tous là. Cette ouverture, c'est facilite des migrations intégré dans la société, avec son culture, pas seulement avec son force ou avec son travail, seulement avec son culture, il vient avec son culture, avec son histoire, avec son richesse. C'est un champ qui se développe en France. Tu vois bien qu'il y a des pôles qui se... Moi le premier, à Beauvais, le week-end dernier, j'ai fait chanter, tu vois, il y avait 10 personnes qui voulaient apprendre 2-3 chants. Témo, on a fait des stages à Perpignan, à Ariège, genre... dans le Gers, dans, je ne sais pas comment dire, mais tu as des groupes partout qui s'intéressent à cette couleur. À partir des groupes qui existent aujourd'hui, donc il y a l'ensemble Marani, c'est une douzaine de personnes, Magicali, une douzaine de personnes, l'harmonie géorgienne, aussi une dizaine, si je ne me trompe pas, l'Asie. Après, il y a des groupes informels à Paris, des géorgiens qui chantent entre eux, ou bien des gens qui faisaient partie de ces ensembles à un moment donné, ou qui sont venus à nos stages publics animés par des chanteurs géorgiens. Je pense qu'avec cela, on pourrait réunir plusieurs centaines de personnes qui peuvent chanter au moins 5 ou 6 chants géorgiens ensemble. On ne l'a jamais fait, mais ce serait une possibilité. Donc, l'avenir du chant géorgien dans les migrations, eh ben, se porte plutôt bien. Voilà. Et se porte plutôt bien parce que quand il y a des groupes qui viennent de Géorgie aussi, eh bien, maintenant, il y a une osmose qui se passe. Hein. Autrefois, on se supportait parce qu'eux, ils viennent de là-bas, c'est pas comme ça qu'on chante, vos parents vous en ont appris et tout. Donc, c'était toujours, pourquoi tu chantes ça comme ça, pourquoi tu l'as entonné là, on dit pas ça comme ça, mais on le dit comme ça. Et bon, c'est pas agréable de chanter, on chante pour son plaisir. Alors que là, maintenant, il y a quelque chose qui se construit. Donc c'est bien. Voilà.